La rue Mlle Dinelaine Fantemi, au Vieux-Caire, est pleine de richesses d'antiquités islamiques. S'étend du nord au sud, entre la porte Bab el-Zouéla et la porte Bab el-Futouh. La rue Mlle piétonne a retrouvé son éclat d'antan et jrène, mosquée, madrassa, demeure médiévale. La rue Mlle, créée par les Fatimites comme rue principale pour rejoindre le Vieux-Caire, elle était dénommée auparavant rue Ben el-Qasrin, grâce aux cérémonies de l'Mahmal. Cette rue est-elle un musée ouvert, avec des bâtiments islamiques, militaires, religieux, sociaux et éducatifs, comme la mosquée Al-Hakem Bamrillah, la mosquée Suleiman Aras Al-Ahdar, école et mosquée du Sultan Kamel, le Hammam Aniyef. We'll be right back.
Sadi de Mohammed Ali à Nahassine, la mosquée Sultan Barkouk, la mosquée Nasser Mohammed. Kalaoun et Koledoum, les ruines de l'école El Zahir Bekas, les ruines de l'école El Salah Najmuddin, le Sabil Koutab de Pacha Koulchour, le Sabil Mosquée de Pacha Ali, El Motaher, et la mosquée Sultan El Ashraf Persbey. Dans le cadre du programme gouvernemental pour la restauration du Caire Fatimide, en collaboration avec l'UNESCO, le gouvernement a lancé une campagne d'entretien et de ravellement de la rue El Moazzeddin Lah El Fatimi pour lui donner son faste après la terminaison et le développement des infrastructures et des réseaux. La restauration va de la porte Bab El Futouh jusqu'au croisement de la rue El Azhar sur une longueur de 1400 mètres et pour un coût de 23 000 livres égyptiens. De même, l'aménagement des façades et des maisons et des boutiques sur les deux côtés de la rue. Le pavage de la rue est en granit noir, provenant d'Assouan, à 7500 m². Les trottoirs en dalles de granit de Gandoula, à 4900 m². Les bordures des trottoirs en granit de Gandoula, à 2900 mm. L'éclairage public est à travers des réverbères stylés.
les projecteurs fixés sur les murs des monuments pour remettre la beauté en valeur. Les portiers électroniques fermant la rue à la circulation d'une heure du matin jusqu'à 21h du soir. Global de 3,5 millions de livres égyptiens. Il a été demandé aux propriétaires des boutiques d'accommoder leur activité avec la nature archéologique de la rue, prenant en compte les souhaits des touristes. Parallèlement, le développement du sol de Beit El Qadi, pour être utilisé en cafétéria, a conduit les ministères de la Culture à une réflexion pour le reste de cette zone. Une étude en cours pour le développement de l'ensemble du secteur.